oncle MHSC va gagner. En plus, c'est la dernière à la maison et surtout la dernière de Laurent Pionnier. Lui, alors, on peut dire que c'est un vrai paillardin. Puis c'est quand même pas commun qu'on voit un joueur passer toute sa carrière dans le même club. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Francesco Totti. Comme là, on a connu dans les années, comme je fais, on pourrait dire paillade. S'il y a bien un joueur qui incarne l'esprit paillardé, c'est bien lui. Très très proche des supporters du club. Toujours un petit mot. C'est un joueur simple envers les supporters, il n'y en a plus beaucoup dans le monde actuel. Et lui, il a toujours gardé cet esprit-là, être proche de son public et de ses supporters. Donc pour nous, c'est quand même ce soir, c'est quand même, je veux dire, un moment triste. Hein. Je pensais que ça serait le plus tard possible, ce soir. Et ben... Alors je ne sais pas si c'est la fin de sa carrière, c'est la fin de son histoire au MHSC, mais bon. C'est quand même un peu décevant que ça se termine aussi rapidement. Un hommage, emballé, c'est posé, on n'en parle plus. Bon. Moi, l'image vraiment que je garde de lui, c'est avec nous, les supporters Auxerre. C'est voilà, l'image que je retiens de Laurent, c'est celle-là. C'est dans la tribune, le mégaphone, et fêter le titre avec ses supporters. On gardera un grand, grand, grand souvenir de Laurent Pionnier, qui a toujours su répondre présent dans les moments durs du club, d'être meneur de vestiaire, comme on dit, et de sauver le club il y a quelques années en arrière, quand on lui a demandé de le sauver, mais il a répondu présent. Oui. C'est... Et j'espère enfin qu'on l'aura toujours parmi nous et qu'on pourra toujours continuer à se voir et à discuter comme on le faisait tout le temps. Il fait partie de la paillade. C'est... Ben, merci pour tout, vraiment du fond du cœur. J'espère qu'il restera au club le plus longtemps possible. Ben, on a besoin de joueurs de cette mentalité pour inculquer ça aux jeunes. Et fier qu'il est. Reçu la médaille de l'air de Montpellier. Ben, merci Lolo et je suis ravi de t'avoir connu. Et des joueurs comme toi, il en faudrait un peu plus dans les clubs. Merci Lolo. À la santé de la paillade. Thank you.
coming if you're in them. You ain't gonna let that go. Monsieur Laurent Pionnier. Monsieur Laurent Pionnier. 20 ans de carrière, à l'occasion donc des 20 ans de carrière de Laurent Pionnier.
Moi je suis à côté donc de Laurent, je peux vous dire que Vito Casimir, Olivier, c'est Ruben, toujours beaucoup d'émotions. Bon, je vais faire quelques remerciements, j'espère que je ne vais pas oublier personne, sinon vous ne voudrez pas. Je vais déjà remercier toute la famille Nicolin pour m'avoir permis de faire ce métier-là, sur la gosse, et surtout tant d'années. Je vais remercier ma femme, mes enfants, mes parents, ma famille, tous mes amis qui étaient là encore ce soir pour nous soutenir et me soutenir. Et puis je vais vous remercier vous tous. Voilà, vous m'avez aussi soutenu, les supporters évidemment, tous les passionnés, et on a vécu d'énormes moments ensemble.